Je vais vous présenter les bases de la topographie, orientation. Et pour ça, il faut que vous connaissiez bien les méthodes d'utilisation des cartes et d'utilisation de la boussole. On va commencer donc tout ce qui est la connaissance, l'utilisation de la carte, de façon à ce que vous puissiez emmener des gens ou vous-même évoluer à cheval en sécurité sans vous perdre. Les randonneurs, en règle générale, utilisent des cartes au 1/25 millième. 1/25 millième, c'est une échelle. Cette échelle-là, c'est une unité pour 25 000 unités. Par exemple, 1 mm font 25 000 mm. 1 cm, 250 mètres. 4 cm, 1 km. Ce qui va nous intéresser d'abord, c'est les couleurs. D'une carte à l'autre, il y a beaucoup de différences, mais les couleurs sont conventionnelles. Le vert représente toujours la végétation, donc la forêt, les friches, les vignes, plus ou moins claires, plus ou moins foncées. Et à l'intérieur, on peut avoir des petits symboles, c'est-à-dire que là, par exemple, on a les petits ronds qui indiquent les feuillus, c'est les chênes, les hêtres, etc. Et les résineux, vous voyez, les petits sapins qui sont ici. D'accord ? Tout ce qui est blanc, ce sont les zones cultivées ou cultivables. Terre, prés, champs, etc. Ensuite, on a quelque même une couleur qui est importante pour nous, qui est le bleu. On y voit aussi bien les rivières, les petits lacs, les étangs, etc., que les sources, qui sont un petit trait bleu continu ou un petit trait discontinu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là comme couleur qui est quand même intéressant? Tout ce qui est noir. Alors le noir, c'est tout ce qui est toponymie, c'est-à-dire tout ce qui est exprimé sur une carte. Le nom des villages, on a le nombre d'habitants, on a le fait que ce soit une commune. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que le nom des villages sont systématiquement orientés de l'ouest à l'est. Et écrit de la gauche à la droite, ce qui va nous permettre de savoir où est le nord. Le nord, c'est tout simplement le haut de la carte. Alors, il y a évidemment une autre couleur qui est un petit peu évolutive dans les cartes, c'est la couleur des voies de circulation, des routes. Plus on va aller vers une route de moindre importance, plus cette couleur va aller vers le blanc. L'autoroute est rouge, la nationale est orange, les routes départementales sont jaunes, et les routes communales sont blanches. Mais toutes ces voies-là, à partir du moment où elles sont goudronnées, ce sont deux traits continus et parallèles. Et puis les chemins, les premiers comme celui-là, qui sont également en blanc, sont des chemins avec un trait continu d'un côté, un trait discontinu de l'autre, sont des chemins non goudronnés mais carrossables, qui nous permettent de passer à cheval. Ensuite, nous avons des chemins qui sont représentés avec deux traits discontinus et parallèles. On les estimait carrossables, mais pour nous, ça va être le pain quotidien du cavalier. Et on a ensuite tout ce qui est chemins d'exploitation forestière, qui sont représentés par un trait discontinu. Tout ce que vous voyez sur le reste de la carte ne sont pas des chemins. Les petits pointillés ici, c'est une limite de commune. Cette limite verte est la limite du parc naturel du Morvan. Ce trait continu noir est une limite de parcelle. Ce n'est pas non plus un chemin. Donc à partir du moment où on fait notre itinéraire, on va le construire sur cette base de chemin. Alors, pour évoluer bien évidemment sur une carte, il faut en maîtriser les points remarquables. Alors les points remarquables, c'est tous les détails de la carte en fait qu'on peut identifier. Par exemple, le pigeonnier est un point remarquable. Le calvaire qui est ici, les châteaux sont des points remarquables, l'église, le cimetière, la rivière qui est là, un pont, donc c'est un vrai point remarquable. Nous avons également un transformateur. Cela a un intérêt dans la mesure où sur un transformateur est toujours indiqué le nom du lieu-dit. En point remarquable, nous avons aussi les zones de remblai, quand la route est au-dessus de la dénivellation. Quand votre route est ici, ça c'est le dénivelé, elle va être représentée sur la carte d'un côté par une petite signalétique de ce type-là. Ça veut dire que le chemin est en dessous du niveau qui est là. Et de l'autre côté, de cette façon-là, puisqu'elle surplombe le terrain qui est en dessous. Cette route, par exemple, est en surplomb par rapport au pré qui est en deçà. Tout ça, ce sont des points remarquables. Et nous allons évoluer d'un point remarquable à un autre. En orientation, il y a quatre données qui sont indissociables. La première, c'est la notion de point remarquable, on vient de les définir. La deuxième, c'est la direction. C'est à l'est, c'est à l'ouest, ou c'est un nombre de degrés, un nombre de grades, c'est un angle. Alors, ce qui va être intéressant pour nous, c'est d'abord d'orienter la carte. Comment on oriente la carte? On l'oriente d'abord par rapport aux détails du terrain. Regardez, ici, on a l'étang. L'étang est derrière nous, d'accord? Qui est bien sur la carte, aligné, et là, le petit ruisseau, par exemple, ou la montagne. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit d'aligner, on va dire, tous les détails de la carte par rapport à la réalité. Et là, on va se rendre compte que si on doit évoluer sur ce petit chemin qui longe l'étang, notre carte est orientée dans la bonne direction. Ensuite, il y a une méthode plus sûre et plus précise, surtout, c'est l'utilisation de la boussole. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une boussole? D'abord, c'est une aiguille qui est aimantée sur le champ magnétique terrestre et sur laquelle la partie rouge, en règle générale, si on tourne notre boussole, cette partie-là reste au nord. Si on veut orienter la carte avec la boussole, il suffit de poser la boussole sur la carte et à ce moment-là, de mettre le haut de la carte dans l'alignement de l'aiguille rouge. On vient d'aligner le nord magnétique
et le nord géographique. Alors, il y a un angle qu'on appelle la déclinaison, qui est la différence entre ce nord géographique et ce nord magnétique. Comme vous le savez peut-être, le champ magnétique terrestre tourne autour du pôle nord. Ça, c'est le nord géographique. Le nord magnétique bouge très légèrement autour. L'angle formé entre ces deux directions, c'est la déclinaison. En France, elle est négligeable à l'heure actuelle. Il y a des pays comme le Canada où elle peut faire 13 degrés d'écart, donc il faut la connaître et la prendre en considération. Donc la boussole, c'est une tablette. La tablette, c'est la partie rectangulaire. Sur une partie rectangulaire, vous avez tout d'abord une flèche qui est au centre. Cette flèche va être la flèche de direction. Donc c'est celle qui va nous servir à poser sur un chemin pour pouvoir définir l'angle. Et puis ensuite, vous avez une règle graduée qui va vous permettre de mesurer des distances et éventuellement une loupe pour pouvoir accentuer un détail. Ensuite, on a un cadran. Ce cadran est gradué en degrés. Vous voyez cette petite partie-là où il y a le N et les deux petites parties rouges, ça s'appelle la cage du Nord. À partir du moment où je mets l'aiguille dans sa cage, le cadran est dans l'axe de l'aiguille rouge. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est la direction à suivre. Là, on est dans une configuration très simple et très classique. On est dans un talweg. Un talweg, c'est une ligne de ruissellement des eaux entre deux collines. Et on voit bien sur la carte ce chemin parfaitement droit qui suit le talweg jusqu'au bout de ce talweg, jusqu'au moment où il arrive sur un chemin et sur un pré. Et ce qu'on demande à la personne qui s'oriente, c'est de respecter le chemin, l'axe et le talweg, de façon à aller jusqu'au point remarquable suivant. Or, on voit bien que le chemin principal part légèrement sur la droite. Manque de chance, si on continue, on peut se trouver très loin au bout de quelques centaines de mètres. Une petite erreur, hein ? Vous êtes en train de prendre le mauvais chemin parce que vous n'avez pas pris la boussole. Quel était le deuxième point remarquable ? Le pré. Et est-ce que vous pensez que si vous passez par là, vous allez voir le pré ? Non. Niette. L'intérêt de cette difficulté topographique est de garder un axe boussole. Pour cela, on va le vérifier. On pose le cadre de la boussole sur le chemin rouge que l'on doit prendre. On aligne les chevrons nord-sud de la boussole avec l'or et la sud de la carte et on se rend compte que le chemin est à... À peu près 130 degrés. À peu près 130 degrés. Là, vous êtes environ à 180. Donc, on prend le bon chemin. Alors là, j'ai un seul chemin sur la carte et j'ai deux chemins sur le terrain. Donc comment savoir lequel prendre ? Le chemin que vous devez prendre est dessiné en rouge et le chemin que vous ne devez pas prendre est en jaune. Si on aligne le bord de la réglette de la boussole au chemin qu'il ne faut pas prendre en jaune et qu'on met l'axe des chevrons nord-sud dans l'axe nord-sud de la carte, qu'est-ce qui fait comme degré ? 320. 320 degrés. Alors que le chemin que vous devez prendre, on est à 30 degrés. Ensuite, il suffit de prendre la boussole. Et tu vises ton chemin. Et quand le nord est dans sa cage, suivre la direction indiquée par la boussole. Ok ? Et cet outil va me servir en randonnée à vérifier en permanence mon parcours. La troisième notion, c'est la notion de distance entre un point remarquable et un autre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étalonner vos chevaux et par la suite estimer vos distances d'une façon précise. Votre boulot pour étalonner un cheval, c'est d'abord de mesurer une distance précise entre ce chemin-là et le chemin là-bas. On a 5 mm, donc 5 fois 25 mètres, 125 mètres. Il y en a une de vous qui va compter le nombre de foulées du départ jusqu'à la fin et l'autre qui va prendre sa montre, qui va compter les secondes précisément au pas, de façon à ce qu'on ait un nombre de secondes précis au bout de 125 mètres et un nombre de foulées précis. Alors, on vient d'établir un étalonnage au pas. Maintenant, on va établir le même étalonnage au trot. Et ensuite, ensemble, on va construire un petit tableau qui va vous permettre de savoir soit combien vous faites de foulées, soit combien vous mettez de secondes pour faire 25, 50 ou 150 mètres. Combien de foulées ? 55. Donc on est bien d'accord, l'idée d'étalonner un cheval, c'est pour être plus précis dans les distances quand la longueur entre deux points remarquables est un petit peu trop importante et vous avez besoin de mesures suffisamment précises pour prendre le bon chemin. Alors, la jument Rhapsody, au pas, elle a mis 75 foulées pour faire 125 mètres. Si je veux savoir combien elle met pour faire 25 mètres, je divise par 5. Donc en fait, ça veut dire qu'elle a fait 15 foulées. Et ensuite, c'est une règle de 3. Tu vas mettre 60 secondes, une minute pile pour faire 100 mètres, ça veut dire que grosso modo, tu vas en mettre 2 pour faire 200 mètres. Tu as travaillé ensuite au trot, mais là tu as travaillé avec ton chrono, avec ta montre à la seconde. C'est exactement le même système. Pour faire 125 mètres, tu as mis combien de secondes ?
30. 30. On va diviser 30 secondes également par 5. Ça veut dire que pour faire 25 mètres, tu mets 6 secondes. 12 secondes pour faire 50 mètres, 18 pour en faire 75, 24 pour en faire 100, 48 pour en faire 200. Et la quatrième notion, c'est la notion de dénivellation. La dénivellation, elle est représentée sur la carte par toutes les courbes de niveau. Une courbe de niveau, c'est la représentation de tous les points à la même altitude. En fonction des cartes, l'équidistance, c'est la hauteur entre deux courbes de niveau, peut évoluer. Ici, par exemple, l'équidistance est de 5 mètres. Ça veut dire que entre deux courbes, la hauteur est de 5 mètres. C'est important pour nous de savoir si on monte, on descend, on est en dévers, etc., puisqu'elle est précisée sur ces cartes-là. Cette carte est intéressante pour plusieurs raisons. On a à peu près tous les éléments d'une dénivellation, avec les courbes maîtresses qui sont plus épaisses, avec l'altitude qui est indiquée sur la courbe maîtresse. On peut apercevoir plusieurs talwegs. Il est intéressant de profiter de cet agrandissement pour voir à quel moment on se rend compte qu'on monte ou qu'on descend. Tout d'abord d'un point côté à un autre, comme ici à 480, donc on voit bien comment on est dans la montée, et là, nous allons arriver au col. Ensuite, si on continue, on va descendre en direction de la pâture qui est en blanc, et pour le confirmer, nous avons une courbe maîtresse de 450 mètres, et le haut de ce chiffre indique le sens de la montée. Comme on voit sur la carte, on commence par redescendre doucement, les courbes de niveau sont encore un peu espacées, et puis après, elles vont se resserrer, et la pente va devenir beaucoup plus importante. Par exemple, si je monte ce chemin, je suis au fond du Talweg, ça monte à ma droite, ça monte à ma gauche, et moi je suis au fond de cette petite vallée. Mais par exemple, si je prends le chemin qui est ici, ben, je monte régulièrement, mais le point culminant est à ma droite, alors en l'occurrence au sud, et la descente sur la gauche. Si je suis sur ce chemin, en même temps une limite de parcelle, il est le long de la courbe de niveau, il ne franchit pas la courbe de niveau, donc je suis à plat. Sur les cartes IGN ou A25 millième que nous avons aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'informations que celles données jusqu'alors. Il y a sur les cadres extérieurs l'ensemble des éléments qui vont nous permettre de se situer ou de localiser un point de rendez-vous. À l'extérieur du cadre, nous avons ce qu'on appelle les coordonnées géographiques. Ils sont exprimés soit en degrés, soit en grades. Et nous avons à l'intérieur du cadre les coordonnées rectangulaires qui sont exprimées en kilomètres, qui sont à l'intérieur exprimées sur un système typiquement français, qui sont les coordonnées Lambert, ou à l'extérieur, les coordonnées UTM, qui sont les mêmes que les coordonnées GPS. Pour être plus précis, ces cadres sont gradués. Pour ce qui est des coordonnées géographiques, comme vous le savez, les degrés sont divisés en minutes et en secondes. Dans un degré, nous avons 60 minutes. Ce sont ces minutes qui sont graduées sur ce cadre et qui vont nous permettre de nous situer en degrés, minutes, secondes. Pour ce qui est des coordonnées rectangulaires ou kilométriques, le kilométrage est précisé tous les kilomètres. Nous avons par exemple ici le kilomètre 572, ce sont 572 km en partant du méridien d'origine qui est le méridien de Greenwich et qui va nous indiquer donc la longitude. Nous avons également le chiffre de 5303 km qui lui va nous indiquer le nombre de kilomètres depuis l'équateur et nous donner la latitude, l'équateur étant le parallèle d'origine. Si nous avons besoin de nous situer ou de localiser un point de rendez-vous, il suffit, grâce aux petites croix sur la carte qui sont les amorces du quadrillage Lambert et aux kilomètres qui sont sur le cadre, grâce à un petit calque quadrillé, de le glisser entre ces croix pour pouvoir nous situer exactement à 25 mètres près sur le point de rendez-vous. Nous avons vu comment nous orienter avec carte et boussole. Il existe des balisages sur tout le territoire français. Le balisage officiel FFE-CNTE est de la marque Orange. En France, quasiment tous les types de balisages peuvent exister. Mais le protocole est qu'à partir du moment où nous trouvons deux bandes horizontales, c'est que nous sommes sur le bon chemin. Les couleurs appartiennent à une discipline. Quand ce sont des couleurs mélangées comme ça, ce sont souvent des parcours de pays. Les itinéraires type GR sont en rouge et blanc. Tous les itinéraires équestres sont orange et les itinéraires de parcours de randonnée à pied faits par les communes sont en jaune. Alors là, nous avons donc un balisage de pays, de parcours de randonnée, et nous avons un balisage équestre orange qui indique de prendre le chemin de gauche. Pour préparer nos itinéraires, nous avons besoin de mesurer les distances qu'on va parcourir, ce qui est quand même très important dans le cadre des randonnées. Pour mesurer les distances, il y a un truc très simple, il suffit de se fabriquer un curvimètre. Vous prenez un bout de plastique, une paire de ciseaux, avec un stylo. On mesure sur ce bout de plastique transparent une distance de 4 cm. Et ensuite, ça va nous permettre de mesurer très précisément notre parcours. Par exemple, je vais prendre ce chemin rouge sur la carte et je suis en tournant
mon petit bout de plastique qui suit scrupuleusement le chemin et je peux marquer mon premier kilomètre. C'est la mesure la plus précise. Ah, vous pouvez l'adapter à chaque échelle, parce que ça, votre curvimètre est indépendant de votre carte. Et je peux continuer de cette façon-là. Coût global, 8 centimes. Pour préparer nos itinéraires, nous utilisons de plus en plus l'outil informatique. Par exemple, sur celui-ci, nous avons la possibilité de rechercher le lieu que l'on souhaite, ici Saumans. Ensuite, on peut tout simplement tracer un itinéraire, enregistrer cet itinéraire de façon à pouvoir l'imprimer ou le communiquer sous format GPX aux gens qui ont un smartphone, un Android ou un autre logiciel sur leur ordinateur. On peut également faire des coupes, avoir les dénivelés, mesurer les distances, déterminer les surfaces, etc. Sur nos téléphones, smartphones ou Android, nous avons la possibilité de télécharger des applications de topographie et d'orientation d'une grande utilité. Par exemple, celle-ci va vous permettre de jouer sur l'échelle. On peut également, en appuyant sur une touche, se localiser immédiatement. Ce petit logiciel vous permet également d'orienter votre carte, hop, d'avoir la photo aérienne du lieu où vous êtes, les cartes cadastrales, et de faire une copie écran et la communiquer ou à un groupe de cavaliers, à un suiveur ou au secours. J'espère que ce petit cours d'orientation et de topographie vous permettra de progresser. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher des professionnels des centres de tourisme équestre de vos régions.